L'enfant représente en effet une véritable bombe à retardement pour toutes les franges de la société. Cet être fragile, mais si précieux à nos yeux, est par essence un perpétuel inconscient des multiples dangers qui le guettent dans son environnement. La motivation principale de ce congrès est claire et nette. Ce congrès doit être un oasis de partage, d'expériences et de pratiques médicales.